y a des trous, plusieurs trous avec des vues exceptionnelles dans cette forêt de pins. C'est un parcours qui, aucun trou se ressemble. C'est un parcours qu'on se lasse pas. Alors il y a tout type de clients, n'importe quel âge. Il y a aussi bien des joueurs retraités qui font leur parcours à pied ou avec chariot. Font 9 trous et l'avantage ici, comme tu disais, c'est un parcours 9 trous, mais comme il est assez technique, assez vallonné, bah on a l'impression d'avoir fait des fois 15 trous en faisant que ce parcours. Et 4 golfs blue green sur la Gironde. Donc il y a vraiment une harmonie sur les quatre golfs, quatre tracés différents. Pas de concurrence. Non, il n'y a pas de concurrence. Il y a deux golfs sur Bordeaux, donc deux golfs urbains. Et puis dire que Gujan-Mestras avec la Méjade sont deux golfs touristiques. Mais justement, les golfeurs, la force du réseau Blue Green aujourd'hui, c'est que le golfeur girondin peut jouer dans quatre golfs. Sur la Gironde et ça c'est vraiment un vrai plus. C'est forcément un compliment. Un petit Signos est réputé pour un très beau parcours. Donc oui, il y a quelques touches, bien sûr. La forêt de pins, le tracé. Le côté vallonné, assez étroit bien sûr qu'il y a certaines touches. Ouais. Et le côté surf, parce qu'on est sur la cano, donc il y a beaucoup de surfeurs qui viennent jouer sur la cano, ils allient bien les deux disciplines et ça c'est top. Le nombre de pratiquants au surf, je crois, ça croît de tous les ans, donc il y en a de plus en plus qui allient effectivement le surf et le golf, et c'est très bien. C'est un bon complément selon toi, les deux sports, ça se marie c'est bien. Deux sports très techniques, hein. Donc ouais, ça s'allie super bien. Je vais surfer le matin avec les vagues et l'après-midi je viens faire mon petit parcours de golf, c'est très bien. Assez reconnu par pratiquement tous les joueurs girondins, ils le connaissent maintenant tous et on a très très bon retour sur le tracé et sur la qualité du parcours, donc le bouche à oreille fait vite son effet, donc on a de plus en plus de monde sur le parcours. Depuis que je suis là, il y a toujours une exigence de la part des clients pour avoir un terrain à la réputation du tracé. Donc des greens ici qui doivent être assez propres. Donc l'exigence est la même que sur un parcours 18 trous. En tout cas, avec mon équipe, c'est ce qu'on se donne comme moyen.